Yon lot fwa ankor, ekip Barcelona nan arrive fè yon gwo mèvèy sou ekip Galatasaray la. La kaili nan 8èm de final Europa League match retou. De gol a 1, se mèvèy sa. Ebyen, ekip Barcelona nan al fè sou ekip Galatasaray la. Fanatik yo kote ekip Barcelona nan arrive qualifié pour cadre final dans Europa League là ou même qui c'est fanatique et Barcelone on connaît équipe passe là t'es vraiment motivé pour match ball ça pour te joindre qualification là pour cadre final Europa League si là puisque nous connaît match aléa qui t'es joué la caille équipe Barcelone on nous dit son match qui vraiment pas de paraître trop difficile équipe Barcelona, mais dans le match aléa, pas de gagner un goal là-dedans. Nous tous connaissons, c'était match nil 0 à 0. Elle était fini fanatique aujourd'hui. Et Barcelona qui était visité équipe et Galatasaray là, côté la qualifié sous la Kaili, 2-1. Nous connaissons. Match aléa paraît yon tiyan difficile pour équipe Barcelona. On nous dit son match qui vraiment paraît vraiment facile pour équipe Barcelona par rapport des matchs qui ont joué dans Canouan. Fanatique aussi n'a contrôlé match retour a gagné 3 goals qui fait la donne malgré équipe Barcelona lui-même li était arrivé encaissé yon goal dans match ball ça durant premier mi-temps à la 28e minute de jeu, tu as gagné Macao qui lui-même a ouvert score pour l'équipe Galatasaray. Là, et Barcelone qui pas prend trop de temps pour te répondre avec égalisation en ANSA. Et c'était à la 37e minute de jeu, l'équipe Barcelone est arrivé égalisé avec l'équipe Galatasaray. Là, moun ki te égalisé à Palot qui Pedri fanatique et Pedri et qui lui-même fait un superbe goal jodi an un superbe goal égalisation pour équipe Barcelona yon passe Messi lui-même l'été recevra dans mais Ferran Torres côté Pedri lui-même li pas et l'autre côté pour te fait avec ballon c'était chemin goal là pour te fait avec lui mais avant Pedri lui-même était arrivé mettez ballon ça nan filet à fanatique yo il était metté deux joueurs équipe Galatasaray à terre pour le fait goal égalisation 1-1 ça pour équipe Barcelona tout le monde qui t'a regardé match ball ça avec nous et qui c'est Vladivostok sur Vladikata 2022 ou capable comprendre qui côté nié ou capable comprendre et qui goal Pedri lui-même était arrivé fait jodi a pour équipe Barcelona m capable dire Pedri pour équipe Barcelona jodi a qui jouait en pile et si m t'a bail un meilleur joueur pour équipe Barcelona pour match ball ça li et pas qu'à l'autre que Pedri ou même qui t'a gardé match ball ça ou d'accord avec nous et qui c'est Bladi Infosport deuxième goal équipe Barcelona fanatique et qui est et qui fait deuxième goal sa fête, c'est pas l'autre monde, c'est Pedri, et qui te fait un gros shoot, sous Monsieur ça, qui c'est Peña, qui te repousse ballon ça, te gagne l'autre joueur qui te fait un deuxième shoot encore avec rebond ça, Peña te joue ballon ça, il te repousse le troisième shoot là, moun qui te shooté là, et c'était Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang qui lui-même dans troisième rebond eh bien il était arrivé mettait deuxième goal et pour équipe Barcelona c'était Franck De Jong qui te baille Monsieur Emerick Aubameyang passe goal ça mes amis c'est important mais la contrôlé c'est plusieurs shoots qui est fait sur action ça. Eh bien, t'as un Peña qui pas d'abdomi sous action ça et qui était vraiment après pour ces ballons. Yo, on nous dit défenseur Galatasaray et qui t'a dormi et sous action ça malgré le gardien lui-même qui pas d'abdomi qui t'a repoussé ballon avec plusieurs reprises fanatique yo. Eh bien, Barcelone qui lui-même t'a joué une chance li pour le marquer et deuxième goal là, j'en dis là qui t'est fait. Et dans la deuxième mi-temps, c'était à la
et 49 minutes. Gol ça lui-même n'était marqué, c'était Pierre-Emerick Aubameyang, fanatique en football. Toute équipe Barcelone a nous dit et qui jouait un bon match aujourd'hui, mais si vous qui était vraiment motivé pour être à qualifier et sous équipe Galatasaray là, c'est ça que fait aujourd'hui. Xavi qui était campé, une équipe qui était vraiment solide malgré une équipe politique campée, a pas de gain Dembélé, mon te comprendre ça, mon qui était vraiment joué et en place Dembélé, il pas l'autre qui Adama Traoré et malgré nous pas tellement well dans match ball, j'ai connu toujours aimé centré qui vraiment qui pas joindre trop liberté dans rencontre ça, n'après appelé aussi seulement 45 minutes, monsieur lui-même est arrivé jouer la match ball ça. Après, mon qui était remplacé là en deuxième mi-temps, c'était monsieur ça qui s'est Dembélé qui était monté, qui était venu bailler plaisir à fanatique qui était vraiment à bien jouer et qui était vraiment font bon 45 minutes fanatique on nous dit était gain Gavi qui était monté dans match ball ça qui était venu pour plaisir pour fanatique nous te ouais était gain un Busquet qui t'a bien joué pour équipe Barcelone on nous dit c'est tout joué équipe Barcelone qui était vraiment motivé pour te jouer une qualification jodian sous équipe Galatasaray là fanatique football tirage au soir si Real vendredi et Blaziro Sport a bien fait on connaît comment ça y est qui est cap adversaire équipe Barcelone et bien tirage sur ça la fête et bien fanatique et si demain et cap vendredi à cap 18 mars 2022 à côté de CT en tout cas c'est les pays pam qui doit n'importe 5 heures ou même tout qui doit 6 heures en tout cas n'a bien fait fanatique on connaît exactement adversaire équipe FC Barcelone dans la quart de finale Europa League pas oublier tout tirage au sort et quart de finale Champions League là a fait tout même là avec et tirage au sort Europa League là fanatique football n'a pas appelé au Barcelone qui sous 11 matchs sans perdre et Barcelone qui perdit depuis la 8e de finale, si mes bras m'ont fait un défaut, c'était face à l'équipe Athletic Bilbao. Son match qui était fini 3 goals à 2, c'était en faveur de l'équipe Athletic Bilbao. Depuis ça, l'équipe Barcelone n'a même pas connu ça, perdu. Et qui nous parlait de la Liga, qui nous parlait de l'Europa League, Barcelone n'a même pas connu ça, perdu. Elle prend match Europa League, match Liga, nous mettons ensemble. Nous et Barcelone, nous même arrivé fait 11 matchs déjà sans perdre. Barcelone qui passait au mois février, les amis, c'est pile à mettre sous le monde, c'est pile à mettre sous le monde. Et puis, mois de mars là, c'est tête chargée. C'est tout le monde, mes amis, c'est mettre main en bouche, cap garder. Yon équipe, tant que Barcelone qui a passé ballon. En tout cas, mes amis, week-end kap vini an, bral gen klasiko, bral gen palanpil, et nous konnen Xavi li même qui joue et klasiko déjà avec équipe et Barcelone face à équipe Real Madrid là, on nous dit c'est pas dans la Liga yo joué a, c'est plutôt dans Super Coupe d'Espagne demi-finale là, écoute Barcelone t'est tombé 3 goals à 2 si mémoire me pas fait défaut dans pays Arabie Saoudite, c'est là et Super Coupe d'Espagne là lui même était déroulé si bon c'est Real Madrid qui t'a remporté l'autre était comme ça et bien Xavi lui même la première pour jouer premier classico dans la Liga à Santander là et bien dimanche cap 20 mars 2022 Blaziro Sport a besoin Simon Diban la vie à la santé c'était un plaisir pour être avec vous rendez-vous avec Blazi c'est pas pour tout l'autre pour une autre vidéo.